Moi, CLB, avec Ben 13, on est allé à la Cavicon. Êtes-vous prêt pour le vlog pourri en direct de Nantes? 3, 2, 1, c'est parti, attendez-vous à du métal et à du son de bonne qualité. On est en route pour la Cavicon, je suis avec Ben 13, salut, donc ça blesse. Ça dégage, tu m'as filmé. Dégage. Oui, mais c'est je sais pas si ça se voit bien. Non, pas du tout, rien, mec. Bon, vous voyez la main de Ben 13 qui est aussi horrible que ce profil. Bon, donc on est en route, on est arrivé dans 20 minutes, quart d'heure, 20 minutes, si tout va bien, on vous tient au courant. Et nous voici près du parc Expo, juste à côté, juste en face. Scream! Ceci c'est la gueule à Ben 13. Et voilà, on y est. On est au bon endroit. On va passer la journée. On se rapproche, j'ai déjà tapé 4 fois Ben 13. Il m'aura tapé une grosse vingtaine de fois en fait, sur la même durée. On s'approche du bâtiment de la convention. Pendant que Ben troll la caméra, la file d'attente, ça avance, poseille, on prend plus tard. Si je peux me permettre, je crois qu'on touche au but. Si je vais laisser la parole, je vais me présenter un petit peu. Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous... Ah, j'espère que ça va aller bien. Donc, c'est bon? Vous m'entendez tous? Donc, moi, je vais vous présenter le Gaming Vita Award, événement sur le web qui récompense les youtubeurs. Bon, voilà. Ça fait mieux, hein? Plus original, c'est bon, voilà. On voit déjà si tout le monde est là aujourd'hui. Tout le monde sauf le Sat Panda. Je crois. C'est bête, j'aurais bien aimé voir le Sat Panda. Ah, tiens, it's our free time. Salut Romain. Et il y a Ben 13. Il attend. Voilà, donc on vient de recevoir un autographe d'Aitei et Teirod. Aitei qui avait d'ailleurs vu une de mes vidéos qui s'en souvenait. C'est vachement cool. Et puis aussi on a croisé Romain de History Time au loin. Donc c'est étonnant qu'il ne soit pas avec Chris. Peut-être que Chris n'est pas encore venu, ça m'étonne. Hein. Hey, Elvi. Bon alors c'est effectivement cool. Alors on ne voit pas d'ici, Elvi. Ah oui, avec la queue on ne voit pas. Elvi est derrière par là-bas. Ouais, c'est collé. Ah bah ouais, je comprends. Non, non, c'est un autre. Enfin, à la même occasion, voici un petit Mister Dawid. Et un As-2 invisible, on aime bien les gens. As-2 invisible. Bon bah les gens invisibles, c'est cool. Super cool pour l'instant. Il fait plaisir d'être ici. Vraiment... Quand on n'a pas l'habitude de poser aux gens qu'on connaît comme ça que par caméra interposée, ça fait vraiment un effet. Et là encore, je me dis au cœur, mais on a Fury, S2 et David juste en face de nous. Et un type qui passe devant. Bref, par catégorie Stoker, voici une nouvelle fois Soul Stealer. Et ça. Non, mais moi, c'est toi. Là. C'est plus, voilà, c'est quand je vais dire, bon, plus j'avais marqué bonjour, je sais pas. J'ai marqué bonjour, salut, ça va. Bon, j'étais sûr que j'avais marqué ça. Voilà. Sérieux. Allez, appelez. J'attire votre attention sur le cadrage professionnel, le son, on a investi énormément de moyens, tout ça, et c'est vraiment un résultat dont on est très fier. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'au moins on a des images de qualité. Paparazzi. Le texte est encore n'importe quoi. Oh,
Sophie et Gueuse. Il y a tellement de queues en fait que je peux pas trop l'approcher, mais c'est vraiment un youtubeur que j'aime beaucoup, donc je vais donner à vous montrer un petit peu quand même. Je verrai si un jour la queue baisse un petit peu, mais donc, vous n'allez pas dans mon sens, donc tant pis, hein, peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, qui dort aussi en train d'écrire à notre grave qui dort. Ah ouais, ça c'est pour toi, donc c'est sur la table là. Vous avez pas reconnu, hein. Non, Dodo. Désolé pour la scooter, mais bon, je suis obligé de zoomer un petit peu, là encore à cause de cette queue. Bon bah voilà, c'est comme ça. Et voici donc 10-15 degrés que j'aperçois de loin, la queue sur ton stand là encore, c'est un petit peu que je pourrais peut-être pas approcher. Un petit peu dommage. Le premier clé d'aime à qui je suis. Ah ouais. Tiens, je vais passer à Sophie. Ah oui. Je retiens. Tu me cuites, je vais regarder toi. Il apporte une pipette pour ça te prend la planète au chocolat. Donc j'ai pu m'entretenir un petit peu avec ce très cher Thilou, d'ailleurs allez voir sa chaîne, c'est vraiment parfait, surtout si vous aimez la musique. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très très sympa, il vagabonde un petit peu autour des stands parce qu'il n'aime pas trop rester derrière un stand, je peux comprendre. Je suis dans le coin de chez Nota Bene, il doit être par là, voilà, le voilà. Par ici, vous voyez. Donc je vais pas aller voir parce qu'il y a déjà quand même pas mal de queues. Pas trop la patience quoi. En tout cas je pense que la convention va s'arrêter ici pour moi. C'était quand même une très très bonne expérience, la première fois que je fais ça. Donc j'espère que le montage que j'aurai fait vous aura plu. Et donc pour ce je vous dis au revoir. Là, d'internet, Ardis, et qui le panda. La prochaine catégorie, à savoir la catégorie école majeure. Dans cette catégorie, pour nommer Thilou, et c'est tout, on te donne la question pour Thilou, si vous voulez. Je donne beaucoup de questions sur le cinéma. Voilà. Alors si vous croyez que c'est assez de gagner la catégorie qui fait mal à la vie. Quoi? Bonjour, c'est incroyable. Le cinéma de ma vie, depuis que j'ai fait le cinéma, je ne pensais pas. Et donc voilà, c'est les seules images que j'ai pu conserver. Je suis quand même vraiment très content de cette convention, pour vous le dire parfaitement, c'est la première que j'ai faite. Et franchement, j'ai pris un grand plaisir. Je suis resté que le samedi matin au final, parce que on n'avait pas trop le temps de rester plus longtemps. J'ai pu croiser iPlay et parler de la fameuse vidéo à bientôt 10 000 vues de la chaîne où il a laissé un pouce vert et un commentaire. Et iPlay est très sympathique. J'ai pu ensuite croiser Romain de It's 40 Time.
dans l'ancien pseudo Ed Sherlock. Et ensuite j'ai une dédicace d'Elvi qui est le deuxième Minecraftien que j'ai suivi et que je suis avec vraiment beaucoup d'attention. Donc vraiment très heureux de ça. Ensuite j'ai eu des dédicaces des questions cons et de ce très cher top 10, mon bref, private joke. Et puis on a assisté à des trucs très drôles du genre la conférence animée par Azendark et d'autres personnes avec un énorme truc vidéo projeté sur la grande scène où Tech se met sur un PC et se met à écrire en gros en Arial en blanc vive Tech 3 points d'exclamation, très très fun en tout cas. Et puis sans doute l'un des moments que j'ai préféré, c'est quand j'ai pu discuter avec le youtubeur Tilou, donc qui fait des très bonnes vidéos, qui parle de musique. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais vous n'avez pas dû bien entendre. Désolé pour le son immonde, en fait je pouvais pas faire mieux. Et j'ai pu discuter 2 minutes avec lui de ses vidéos et c'était très sympathique. Franchement, je suis vraiment très content de cette expérience et je suis prêt à le renouveler. Et puis la compagnie de Ben 13 n'était pas trop, on s'est vraiment bien amusé. Donc j'espère que ce petit condensé vous aura plu. Et merci encore aux organisateurs de la Cavicon, ils ont vraiment donné une superbe ambiance à ça. Enfin bref, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous laisse sur cette image des dédicaces que j'ai reçues avec mon prénom retiré. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB.